Putain, elle chante quoi. Livia Coulia Blanc. Coulias. Livia Coulias, c'est pas vrai? Olivia Coulias. Coulias Blanc. Mais Coulias, ça me dit quelque chose. Ça. Livia Blanc. Olivia. Ah, j'avais le béguin pour elle quand j'étais pas en même temps qui n'avait pas le béguin, tu vois. Cette nana, c'est le petit prototype parfait, tu vois. Il tient dans une poche, il est tout bien membré en haut, en bas, enfin, c'est. Le truc, tu l'as presque dessiné au crayon, tu vois. Tellement la ligne, elle est belle. Bon, bien sûr, ça reste une femme, et blabla, et toutes des putes. Donc, ça va échapper. Mais non, pas toutes des putes d'ailleurs. Parce qu'il faut réussir pour avoir des femmes, que tout de suite, tu vois, c'est pas leur faute si le succès attire et que l'échec repousse. La femme qui sera là à te suivre, à te soutenir dans tous tes échecs jusqu'à la victoire finale. Aïe, aïe. Alors, on a tous rêvé d'un jour, hein, mais bon. Ouais, je suis plus humoriste, satirique, humour noir, bien dark, bien profond, que. Poetic lover. J'ai eu envie de faire une vidéo du coup. Parce que, moi, bon, ça fait un moment que je suis sur YouTube. J'ai des vidéos, il y en a de partout de moi en train de me curer le nez. Et j'ai eu une. Même pas. C'était pas une copine de classe, tu sais, c'est la fille que tu craques, mais t'es timide et tu dis rien, et tu passes un an à être un fantôme de sa vie, et 20 ans plus tard, tu te réveilles. Oh tiens, je viens de te retrouver sur Facebook. Bon, bien sûr, ce genre de fille, elle répond pas.
C'est touchant, elle chante des chansons d'amour et tout. Du coup, classique, hein, la petite bimbo qui chante des mots doux d'amour à l'oreille avec un accent british inventé. Ça m'a fait halluciner. La nana, tu sais, elle a grandi à Tahiti, elle parle français, tu vois. Y a pas un accent rose bif qui traîne quand elle te dit Elema, Titoï. Mais dans ses chansons, à un moment, elle se donne un accent quand elle chante en français. En plus, c'est trop ça, quoi. Elle parle, elle a tout fait le travail d'effacer son accent quand elle chante en anglais. Et elle a accentué l'accent anglais quand elle chante en français. Pour faire plus vendeur, j'imagine. Les conseils de sa boîte de disques. Ukulélé. Avec son petit ukulélé là. En plus, elle joue bien. Elle a une bonne arpège. Hein. Je suis nul à côté quand je joue. Du franc-maçon à la paix. Soyons ce monde de leur novée, sans la domestique et nos vies, jouant avec le rêve des uns de briller au sommet de l'affiche. Mais voilà, les places sont rares, cher, il faut coucher. Moi, j'ai pas un autotune, un beau micro. On est en mode qualité Logicom, quoi. Alors, en plus, j'ai pas un timbre très agréable à entendre. Quitte à choisir, je suis plus auteur-compositeur qu'interprète, tu vois. En plus, auteur. Ouais, je suis plus auteur que compositeur, en plus. Niveau des compositions, ça se résume. Hein. Du blues en do. En plus, il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est la gamme de ré. Blues. Ça, c'est le do. Ça, c'est le sol.
tout le temps la même chose. Je vais acheter des maisons, moi. Ouais, je vais acheter des maisons. Je vais acheter des maisons, je vais vendre des maisons, je vais acheter des maisons. Je vais les louer, je vais rentrer là-dessus. Chanter sur cette terre, mais voilà, il y a un début à pourquoi ne pas imaginer cet envol sur ce ratin, le Scott Joplin. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de ça, de montrer que je suis capable d'inventer les mots qui viennent en écoutant un son déjà connu. J'ai des souvenirs en moi qui se bousculent refaisant toute ma vie. C'est toujours la même histoire, oui. Se dire qu'on a tout raté à cause de le manque de confiance en soi, oui. Maintenant les années ont passé, voilà que je suis là dans ce camping-car pour être le froid. C'est vraiment gâché tout ce potentiel. Et ouais, quelle est ma vie? Tu sais, tu regardes la vie des autres, du coup. Tu te compares, tu te dis, ah tiens, on a été dans la même classe de lycée. Alors, qu'est-ce que t'as fait toi dans ta vie? Comment t'es devenu? Comment t'as tourné? Et moi, comment j'ai tourné? Ah ouais, hein, c'est vrai que t'avais une meilleure moyenne que moi. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est derrière que moi, tu sais. Il est où donc ce blues là sur tes dix doigts? Oh oui, vas-y, donne un peu de cadence à ce rythme endiablé qui pourrait s'emballer à tout moment. Je dois répondre si vite que cette heure à qui désire trouver son sens, son symbole sur terre. Voilà à qui perd son souffle. Au fumeur, oh oui, c'est laissé aller détruisant son instrument favori, le son de ses cordes vocales. Qu'une chose s'est retrouvée là.
toiture, cette terre dédonnée. Un, deux, trois, quatre, et c'est parti pour la fameuse boucle qui ne veut jamais s'arrêter. C'est toujours la même structure encore et encore, encore, encore. Si tu rentres pas dans ces casseries écrites, alors tu ne seras jamais entendu. Quelle part à te dépatouiller dans un monde, une structure qui est toujours là, présente au fond de toi, qui te rappelle déjà tous les schémas musicaux que le Pixar m'a implanté dans la tête à coups d'énergie. Voir mon vieux sur la commode. C'est toujours les mêmes engaines de matrice et les fameuses oreilles mi fa sol la si do ba. Où se trouvent donc les touches noires des blanches? C'est quoi la différence entre le si et le do? Même quand le mi et le fa, ça fait trois, deux groupes de notes, ba bam, ba 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 bam, c'est du 3, 4, du 3, 4, 4, 4, 4. Mais bon, moi je suis niveau débutant plus plus. Les mecs qui savent jouer, ils sont là, ils font ça. Ouais, t'inventes là. Voilà, mais comme je sais pas jouer, je sais pas le faire. Genre là tu fais une main truc sur un do. Quand je vois. Pourtant, c'est la même note.
bourbons, les francs-maçons, à la tête de l'Élysée. Ça vient tellement fluide. Je sais pas, t'imagines, ça passerait sur l'énergie. Déco, dans tous les Macron. Dans les cuirs comme les chiens. Le chien, c'est tellement bon. Ça serait dommage de s'en priver. Tu vas voir, Macron, tu fais Eli. Tu jettes un steak par terre, tu vois, s'il le renifle et qu'il le mange, et après, tu échappes par le col, là. Et voilà, quoi, tu le mets sur la broche, et pendant qu'il vide du sang, tu commences à le faire tourner sur les braises, quoi. De 60 millions de connards vouloir bouffer du Macron. Ben c'est sûr que ça fait petit la part, hein, une fois que tu découpes pour tout le monde, mais un petit bout de foie gras, ça reste un petit bout de foie gras, je suis désolé. Ah. En plus, le truc, il a été élevé au grain, s'il te plaît. Oui, il parle bien d'orchestrer un acte cannibale sur le président de la République. Oui, mais c'est pour les besoins de l'humour, tu vois, de la scène. Allez, invente le sol la si, tiens. Sol la si sur un refrain en ré la sol. La ré la si. Le sol. En plus, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Ah, c'est le sol. C'est la si. Et le refrain, c'est ré la si. La si, sol la si, sol la si, ré la si, sol la si, sol la si, sol la si, ré la si, sol, 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 sol,
la gamme de Sibiu, elle est rigolote. Bon, c'est pas antisémite, c'est parce que je dis tchou-tchou que ça ressemble à un train, que je suis un antisémite qui dit que les chambres à gaz nazis n'ont pas existé et que Faurisson avait raison. Bien sûr, Faurisson est un grand faussaire de l'histoire, c'est un menteur et. Et vive les Alliés. Et Bomber Harris, c'est un héros. Parce que brûler 200 000 enfants, femmes et enfants, avec des bombes incendiaires sur un week-end Dresde, eh ben, c'est ce qu'il fallait faire. Envoyer 1 000 bombardiers sur des civils, ben, c'est un acte démocratique. Hitler n'a jamais bombardé les populations civiles. Alors, enfin bref, c'est vrai que c'est peut-être une dérive un peu. Voilà ce que je suis devenu.